Yo tout le monde, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, et on se retrouve aujourd'hui pour du StarCraft 2, oh yeah! Et oui, nous sommes le 12 mars, mardi plus précisément, et voyez, l'extension Heart of the Swarm est sortie hier soir à minuit précisément. J'ai regardé un peu l'événement qui était à Versailles. En direct, les matchs étaient plutôt très intéressants et ce nouveau contenu risque d'être franchement très appréciable. D'autant plus que la campagne aussi va se révéler être encore peut-être plus épique que la première. Hein. Qui sait, je ne sais pas encore. Je n'ai pas le jeu, vous hein, voyez. Je peux le mettre à niveau, mais je l'achèterai plus tard. Désolé pour ce petit bruit, c'était mon Facebook. Enfin bref, passons. Je voulais, avant de continuer la campagne, vous montrer une petite chose. Vous voyez, là, on a les deux campagnes. Bon, il faut bien sûr avoir le jeu pour pouvoir faire de celle Out of the Swarm, mais on a accès à une petite vidéo. Donc, je vais vous la montrer et on se retrouve juste après. Waouh, j'ai juste envie de dire waouh, cette cinématique était complètement magique, franchement. Ça me donne bien envie d'acheter le jeu. Mais ce sera pas pour tout de suite. Allez, hop, c'est parti, on continue. Ah, mais j'ai vraiment adoré la fin avec l'Hyperion, là, le vaisseau qui s'écrase, on dirait une bombe nucléaire. Et puis l'invasion, oh là 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 là. Et puis la statue de Mensk aussi, ça m'a fait rire. La statue de Mensk qui se fait juste dégommer. Hein, bien fait pour ce vieil enfoiré. Au passage. Chargement de l'infini. Musique d'ascenseur. Fait maison. Oui, peut-être. Chargement qui se termine. Oui.
Oui, enfin nous sommes dans le bar. Et comme à chaque début d'épisode, nous allons interroger tout le monde. On ne déroge pas à la tradition, c'est parti, on commence tout de suite avec Ticus. J'ai déjà entendu parler d'un certain Gabriel Tosh. Juste des rumeurs. Si j'ai bien compris, il serait lié à une branche secrète du programme Fantôme, d'où sont sortis quelques gros durs vraiment flippants. Arctosh a pété les plombs et s'est rebellé. Oh. À ta place, je la jouerais mollo avec ce gars. C'est le genre à te trancher la gorge si tu le regardes de travers. J'ai déjà bossé avec des fantômes renégats avant. Ce sont ceux qui travaillent encore pour Men, ce qui me pose un problème. Ouais, effectivement. Je crois que si on a vu le badge aussi, est-ce qu'on aurait par hasard des nouveaux mercenaires? Des gens qui sont prêts à se battre. Si on y met si le prix. On y met le prix. Ouais, non. Il n'y a rien de nouveau. Ok. Bon, bah on va pouvoir se mater les infos. Ces infos de corrompu. Donny Vermilion pour l'UNN. Votre première, dernière et unique étape sur la voie de la vérité. Ce soir, notre envoyé Kate Lockwell découvre une guerre secrète menée dans l'ombre par les courageux fantômes du Dominion contre un ennemi occulte et sans pitié. Merci, Donny. Je suis en direct avec un agent du programme. Censuré. Si je comprends bien, vous et vos luttez contre un groupe de censuré, censuré. Eh bien, Kate, je ne suis pas autorisé à en révéler beaucoup, mais je peux vous dire que ils se resteront pas longtemps. Nous devrions les très bientôt. Je pense que nous dormirons un peu plus tranquillement ce soir de savoir que les troupes du Dominion veillent sur nous. J'ai tout C'était compris. Donny Vermilion pour l'UNN. J'ai absolument tout compris. Il n'y avait pas du tout de censure, non, j'ai tout compris. Franchement, c'est plus clair que ça, tu meurs, hein, ça n'existe pas. Alors, on va faire un petit tour à l'armurerie. Ah, franchement, sérieusement. Avec un magnifique maraudeur, comme on avait vu la dernière fois. Et est-ce qu'il y aurait par hasard... Oui, le faucheur. Et on a 140 000 de fric. Alors, les faucheurs, il y a une puce en bonne portée. Ah, pas mal. Charge antipersonnelle à large rayon d'action. C4. Ah non, G4. Oui, j'aime ça. Oh, c'est complètement craqué. Mais attendez, on va faire peut-être quelque chose avant. Ouais, on va faire ça, je pense. 60 000. Ça vaut combien? 70 000. Ah mince, on n'aura pas assez. Ah, on n'aura pas assez. Pour acheter ça, ouais, non. Bon, bah écoutez, on va. Ah, j'hésite, hein. Décidément, j'hésite. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Est-ce qu'on va se marrer avec des faucheurs ou avec des maraudeurs? On va plutôt faire celui-là, puisque pour la mission que je vais faire justement juste après, on va plutôt faire celui-là, ouais. Ça va nous être très utile. Donc, on prend ça, hop, c'est parti. Voilà, après, on améliorera les maraudeurs et les faucheurs, bien sûr. Swan. Maintenant, c'est des pirates qu'on a à bord. Kaczynski, fais l'inventaire. Sacré Swan. Allez, on remonte à la passerelle pour commencer. Oh, oh, il est métal. Oh, mais avec les petits traits de lumière rouge. Il est bien baraque aussi. On va lui parler. Ah, Raynor, on fait une bonne équipe, vous et moi. Ah, trop. Qu'est-ce que vous faites là, Tosh? Notre affaire est terminée. À moins que vous n'ayez autre chose pour moi. Oui, j'ai un autre travail pour nous, sur un monde appelé Belchir. Ça vous intéresse? Peut-être. Mais qu'est-ce que j'y gagne? La piraterie, c'est pas tellement mon truc. Tout le monde sait que Jim Raynor veut faire morfler Minsk. Pour ça, je peux aider. Je peux aider beaucoup. Je peux aider beaucoup. Je vais y réfléchir. En attendant... Bienvenue à bord de l'Hyperion. Bienvenue, mon frère! Plus tard. d'accord. On va parler à Horner. Vous avez peut-être envie de parler à notre nouvel invité. Par exemple, lui demander de quitter ma passerelle. Ah. Non, non, et hop, désolé, j'ai refait, ça nous refait le dialogue. Ok. Voyons voir l'émission. Alors, donc, Belchir, parsemé de sanctuaires antiques et de jardins-temples en ruine. Belchir était autrefois une retraite spirituelle sacrée pour les Templiers Protoss, je m'en doutais. Belchir... Sur Belchir, il y a un gaz rare que les Protoss appellent le souffle de la création. Il
pensent que c'est un cadeau de leur dieu. Nous, on appelle ça la terracine. Et ça vaut une fortune si vous savez à qui en proposer. Bien sûr, les protos nous tueront s'ils nous surprennent sur leur terre sacrée. Enfin, ils essaieront. Voilà. Il y a une nouvelle technologie, j'ai jamais vu cette unité, donc qui est disponible sûrement que en mode campagne, et qui a l'air franchement pas mal. Mais on va faire Agria. Eh oui. À tout vaisseau à portée oui, de cette oui, on a compris. Les ergs envahissent Agria. On va la faire en normal. Hein. Nous ne sommes qu'une petite colonie rurale. Nous devons évacuer avant d'être submergés. Si vous entendez ce message, nous demandons votre aide. On l'arrive. On va le faire en normal parce que je sais que cette mission est pas super géniale et qu'en mode difficile, ça va être juste la merde. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel de détresse, commandant. Je suis le docteur Ariel Hanson et je représente les citoyens de la colonie d'Agria. Hey. Enchanté de vous rencontrer, Doc. Vous pouvez m'appeler Jim. Oh. Quelle est votre situation? Les ergs ont submergé nos défenses planétaires. Actuellement célibataire. La colonie est perdue. Pendant les 12 dernières heures, nous avons évacué des gens vers le spatioport le plus proche. Mais l'activité des ergs est devenue si intense que nous ne pouvons plus passer. Si vous pouviez protéger la route, nous pourrions envoyer les groupes restants à quelques minutes d'intervalle. Vous inquiétez pas, Doc. On va tous vous escorter jusqu'au spatioport en toute sécurité. Ouais. J'espère vraiment que ce sera le cas, commandant. Ouais, moi aussi. Les ergs sont plus terribles que ce que j'imaginais. C'est qu'une bande de psychopathes insectes dégueulasses, c'est tout. Je veux pas... Où est le problème? Voyons. Oh là là. Les objectifs bonus sont optionnels, mais offrent souvent des points de recherche qui débloquent des puissantes unités et améliorations. Ah, eh oui. Elle me fait beaucoup penser à la Terre, cette planète. Même si l'eau est légèrement bleue turquoise, c'est chelou. Ah là là. Que l'aventure. Allez, petite barre de chargement, va plus vite. Que l'on finisse cette mission et que la prochaine fois, on puisse faire Belchir avec les Templiers Protoss. Oui, peut-être. Oui. Nous allons enfin pouvoir commencer. C'est parti, les amis. Let's go to the party. Ok. Oh, what's that? Oh, flammeur. Oh, j'aime bien. C'est quoi cette merde? Ça va chauffer. Ah oui, ça va chauffer, mon kiki. Je nous ai dégoté quelques flammeurs, cowboy. Ces lascars ont des lance-flammes qui vont nous faire du rôti de zerg. Ah, ça tombe bien, c'est mon plat préféré. Par contre, c'est très bien fait, je... Oh! Oh, ils viennent de tuer un civil, là, c'était méchant. Oh, what? Sortez les saucisses. Oh! Oui, alors là, j'avais pas vu. Oh, il prend cher. Heureusement, grâce à ma technologie de fifou. Voilà. Grâce à ma technologie de fifou que je viens d'acheter, je vous avais dit que ça nous serait utile. Du tout cuit. Dieu merci, vous êtes là. Et donc je vais vous donner le contrôle que... des bâtiments principaux pour que vous puissiez nous aider à évacuer la colonie. Ah, sympathique. Merci. On va pouvoir... point de sauvegarde atteint. On va pouvoir se lancer dans la production d'une petite armée. On a toujours notre... Par contre, on va construire une autre caserne. Production de VCS, ici, non, elle me donne pas l'autorisation d'utiliser ces Marines. Bon, je suppose qu'on va devoir défendre cette position pendant un petit moment. Escorter les colons et tout, ouais. Et on va avoir d'autres objectifs. Ici, il y a des tourelles automatiques. D'accord. Oula, la production de minerais, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur cette planète. Ça va un peu de l'heure. Il va falloir escorter les convois jusqu'au spatioport principal, si on veut qu'ils aient une chance de s'échapper de la planète. Ouais. Donc là, les vaisseaux, ça c'est chelou par contre. Le premier convoi va bientôt quitter le carrefour des Alouettes. Carrefour des Alouettes. D'accord, ben on va l'escorter, ma chérie, t'inquiète pas. Le plat est fait. Ah, et on peut faire des flammeurs. Intéressant. On va d'abord se concentrer sur notre économie. Parce que voilà quoi. On n'a même pas assez de VCS comme dans les escarmouches. Faut en faire un paquet, ça va plutôt lentement. Donc ici, les citoyens rentrent dans le espèce de véhicule chelou. On va faire un réacteur et hop, toi tu vas continuer à miner.
On va faire du gaz Vespen aussi. Ah là, par contre, ça va vraiment à deux à l'heure. Donc là, tu peux refermer la passerelle, s'il te plaît, oui. Nope. T'as pas envie. Ok. Ah, bah, voilà. Et donc, on va devoir l'escorter, sachant que elle nous aide avec des petits marines tout gris, là. Ne vous arrêtez sous aucun prétexte. En avant. Toi, t'as une tête de sacré winner. Donc, on va le mettre... on va les faire suivre, voilà, en cliquant directement sur le véhicule. Voilà. Et on peut s'occuper d'autre chose en attendant, puisqu'il va vraiment à deux à l'heure. Ok, donc... Merde, je vois pas le... Bon, on va voir ce qu'ils nous disent. Parce que j'ai l'indicateur de, d'image qui est pile sur le... Sur le... L'information de dépôt de ravitaillement, là. De... Ok, donc on commence à avoir pas mal de VCS. On va récolter un peu de gaz Vespen. Ah oui, alors là, je... là par exemple, j'en ai besoin. Quelqu'un a eu la bonne idée de construire des bunkers pour défendre les routes. Ouais. Pourquoi ils sont vides? L'armée du Dominion les a abandonnés quand les Zergs ont attaqué. Ils se fichaient pas mal de la colonie. Ça ne m'étonne pas d'eux. Au moins, ces bunkers sont bien placés. Ah ouais, j'avoue. Je vais voir si on peut s'en servir. Et regardez ces magnifiques tourelles. Ça, c'est grâce à notre technologie que nous avons acheté précédemment. Elles ont du charisme comme ça. Oh, attendez. Accélérateur de projet. Les bunkers sont pas mal. Recyclés. Ah ouais. Tourelles. Ah ouais, on peut les améliorer, bien sûr. Ah, attendez. Là, voilà, on a des petits bonus. Voilà, bon, on va mettre de la file d'attente. Hop, c'est bon. Je pète le feu. Ah, attendez, il y a du bonus. Oui, bon, alors ça, par contre, faut. Les phrases sont un petit peu bizarres, hein. On pourrait mal l'interpréter. Quoi ? La base ? Ah d'accord, c'est ça. Regardez-moi cette tour de fifou là. Bougez-vous, j'arrive. Pourquoi ? Ah oui, non, s'ils ont un bouclier, j'avais pas vu. Ok, notre économie va bien. On va faire des flammeurs, bien sûr. Bon, par contre, faut faire gaffe. Oh, j'avais pas vu ici. Wow, wow. Ouais, par contre. Veuillez indiquer la nature de votre. Ouais, et hop. Ok, c'est bon. Ah, mais. Ah, ça crève pas ce truc. Voilà, bouge-moi ça là tout de suite. Allez hop. Voilà. Collecter de l'ADN chrysalide. Ah, ok. Il brûle d'impatience. Point de sauvegarde atteint. Excusez-moi. Excusez-moi, c'était mon téléphone. Chemin jusqu'au spatioport, partenaire. Comment on est censé sécuriser tout ça? On va pouvoir utiliser une troupe mobile pour dégager la route. Ou alors construire plus de bunkers pour bloquer les accès. Ça devrait marcher dans les deux cas. Effectivement. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, si tu le dis. Oui, si tu le dis aussi. Ah, allez-y. On n'a pas assez de... Bah écoutez, on va s'en construire deux, voilà, comme ça sera fait. Alors ici, il y a des bonus. Faut bien explorer les cartes, hein, dans StarCraft. Voilà. Sortez les saucisses. Sortez les saucisses. Bah, on va sortir les saucisses, mon chéri, t'inquiète pas. Oh, non, faut pas qu'on perde le médic. Voilà, les médics s'auto-soignent. Voilà, cramez bien tout ça. Ici. Le prochain convoi est presque prêt à partir, commandant. Passez le mot à vos hommes. Oh, ça c'est la base des Zergs. On va se décaler un petit peu. Désolé, c'est encore mon téléphone et on va plutôt aller par ici. Parce qu'il me semble qu'il y en a. Voilà, on va faire un médic. Non, deux médics même. Voilà, notre économie se porte plutôt bien. File d'attente, on va faire des maraudeurs aussi, on va en profiter. Faut faire gaffe à nos bunkers aussi. Sortez les saucisses. Oh là là. Ok, bon, alors là ça devient de plus en plus chelou. Les consultations sont ouvertes. Bon, on va attendre. Voilà. Besoin d'une aide ?
Non, c'est bon, merci. Donc, nos Marines qui sont bien améliorés. En route pour le spatioport, bougez-vous! Ouais, t'inquiète pas, hop, voilà, on les fait suivre. Ok, ça se porte bien. Les consultations sont ouvertes. On va faire des flammeurs. Ils ont réussi à capturer. Allez suivre. Pourrais-tu me construire un petit peu plus vite, s'il te plaît? Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Voilà. Envoyez-moi quelques sacs mortuaires. Quelques sacs mortuaires, d'accord. C'est de plus en plus glauque. Ici, on grille du zergling. Ah oui, c'était ceux qui étaient censés, à mon avis, qui étaient censés nous attaquer à ce moment-là. Donc, j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là, je dois l'avouer. Alors, ici, je suppose que c'est leur putain de base. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est leur putain de quartier général. Mais non, c'est trois péglans là qui attaquent, c'est bon. Hein, ouais. J'espère que vous allez pas vous arrêter à ça, les amis. Hein, c'est sinon. On va faire du Marines. Et du on va s'amuser un peu avec les faucheurs parce que c'est pas très résistant mais c'est assez drôle. Bon, ici on se fait plaise avec nos, regardez, ils sont peut-être non ils sont invincibles, regardez, avec nos medics nos medics complètement OP là, c'est, ouais, ils peuvent rien faire, c'est... Ah, attention. Ouais, non, ils peuvent rien faire. Bon, bah cette mission, voilà, elle est pas très compliquée. Hein. Surtout en normal, j'aurais peut-être dû la mettre en difficile, mais bon, voilà, hein, je négatif, savais pas. C'est bloqué. Négatif, c'est bloqué. Comment tu me parles, toi? Non, mais t'as pas honte. Je vous écoute. Oui, c'est ça, écoute-moi. On va aller se marrer avec des faucheurs. Non, je sais. Après, on va faire des maraudeurs. Allez, on est des oufs. Allez, qu'est-ce que tu fais? Négatif, c'est bloqué. Mais non, c'est pas bloqué, regarde. Il suffit de demander. C'est quoi ce bruit? Bon, ok, eux. Maintenant, vous revenez à la base. Ou alors, non, vous restez là, tiens. Ouais, vous restez là, ouais. Vous restez là, on va vous mettre en couverture. Le faucheur est arrivé. Ici j'ai de quoi accompagner le prochain convoi s'il veut bien se manier. Ouais, ça me semble bien. Toi, tu vas t'occuper de construire d'autres dépôts de ravitaillement puisqu'on en a bien besoin. Et sinon, question objectif, je crois que c'est bon. On va envoyer 2-3 mecs. Ah non, c'est pas ici, je parle. Ouais, non, je crois qu'on a tout. Non, on a tout exploré. Il me semble, ouais, ici c'est leur base ultra protégée. Et regardez-moi cette espèce d'animal bizarre, une espèce de requin de l'espace du futur, de l'infini. Ah, il y a encore des vaisseaux là, ouais. Ok, bon, bah ça, ça se présente bien. Ah, et on peut construire une planque de mercenaires. Bah tiens, on va en réclamer. Commandant, un autre convoi s'apprête à partir. Voilà, on a commandé tous nos mercenaires. Quand ton cœur fait boum. Voilà, si c'est pas la classe, ça. Hein, je te le demande. Bon, alors, si avec ça, ils arrivent à nous prendre le truc, c'est que c'est des grosses machines. Hein. Il faut bien le dire, c'est que c'est des grosses machines. Moi j'ai bien envie d'aller taquiner la galerie là. Ouais, non, en fait, non, c'est. Oh, effectivement, la mort vient d'en haut. C'est tellement philosophique comme phrase. Voilà, on est riche, tout va bien. Et il n'y a plus qu'à leur dire de suivre. Voilà, allez, dépêchez-vous là. Colonie d'Agria, oui, j'ai vu. Ici, nous avons nos troupes qui sont en couverture, nos flammeurs, qui aiment les saucisses, apparemment. On va peut-être... Non, je peux pas, ouais. Ne partez pas sans nous.
Oh putain, lui il avait une belle tête de winner aussi, comme son autre pote. T'es prêt à tout. Le truc il est encerclé de partout, s'il y a un zerg qui passe, il y a un souci. J'aime beaucoup leur bouclier comme ça là. Oh, ils ont trop la classe ces Marines. Faut le dire. Faut le préciser. Il faut le préciser. Là il y a un essaim. On sait pas ce qu'il fait. Ok, bon, bon, on va le désinguer. Ah. Bon, mon bunker va sûrement céder. Sauf si j'envoie des troupes. Ah, peut-être. Ah, non. Il n'a pas résisté. De toute façon, ça c'était évident. Ils ont pas fait long feu. Il faut les sauver. Mais non. Ah, des Zerglings dans les champs. Ok, bon, bah c'est bon. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Et normalement, c'est bon. Ah non, d'accord, non, il y en a encore. Ah, il y en a encore. Bon, bah, écoutez, autant se faire plaisir. On va commander à mort des troupes. Laboratoire connecté. Ah oui, d'accord. On va faire que des flammeurs. Vu qu'on a que ça à faire. Ah, m'avait fait peur. Et puis on essaiera d'aller choper une des bases, tiens, en attendant. Envoyez-moi quelques sacs mortuaires. Sacs mortuaires. Mais qu'est-ce que t'as avec tes sacs mortuaires, toi? Eux, ils résistent. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, si. Oh là là, ils sont... Deux médics et deux flammeurs, c'est juste craqué, hein. Parce que, avec l'amélioration que j'ai mis aux médics, ils sont complètement... Complètement pétés. Pareil pour les tourelles. Ah, par contre, comme c'est en feu, ouais, voilà. Mon bunker va péter. Mais bon, c'est pas grave. Regardez. Oh, de toute façon, il ne servait pas. Donc, au pire, on s'en fout. Voilà. Bon, ils vont pas réussir à monter. Bon, bah, vous voyez, avec ça. Et, oh, venez. Venez, voilà. Avec ça, on va aller se marrer un petit coup. Non, avec ça, plus facilement. On va aller taquiner le goujon. Ici, on va aller juste défoncer leur base. Ça va être drôle. Croyez-moi, ça va être drôle. Avec deux médics, toujours. Ouais. Ah, une muqueuse. On détruit le passage. Et hop là. Bon, on a déjà plus de... Commandant, c'est nous parti. Venons de repérer les organismes zerg en approche en atmosphère haute. Je n'ai pas de projection précise, mais ils se dirigent vers vous. Oh là là, c'est complètement épique. Et on va réussir à les envahir quand même. Ah, peut-être pas, non. Non. Là, j'ai peut-être été un petit peu trop gourmand. Ah, quoique, avec les médics. Quoique, ah, peut-être. Ah non, ils sont vraiment trop. Mais là, je leur ai bien fait mal. Là, je les ai bien amochés, comme il faut. Toi, t'es toujours là. Bon, bah, tu vas continuer à me construire des dépôts de ravitaillement. Ah. Nous avons un autre convoi prêt à être escorté, commandant. Ouais. Bon, il en reste encore deux. On va essayer d'aller anéantir la base ennemie, écoutez, hein. Là par contre, il s'est fait bien déchirer. Je vais aller finir le boulot. Je sais ce qu'on va faire. Une autre caserne. Même deux autres casernes. Une autre caserne qu'on va placer ici. Voilà, c'est parfait. Les consultations sont ouvertes. Ouais. Est-ce qu'on peut... Non, on peut rien améliorer. On va continuer à faire des médics. Parce qu'il va nous en falloir un petit paquet pour résister. Toi, tu continues. On va faire un centre technique. De même pour améliorer. Nos types, tout simplement. Voilà. Comme il faut. On a réalisé tous les objectifs. Ouais, il manque plus que le. Tout le monde est là, allons-y. Je sais pas ce qu'ils ont avec le... Ils ont vraiment des têtes chelous. Ils arrivent.
Je sais pas comment ils ont décidé de faire ça. Enfin, les développeurs, mais. Bougez-vous, ils ont des têtes bizarres quand même. Bon. C'est bon, caserne finie. Tu peux retourner miner. Les consultations sont ouvertes. Ah, mince, je peux pas la placer. Ah, idiot, tu fais lâche. Ah, non, je peux pas. Ah, si, là, je peux. On va la mettre là. Ici, on va faire les recherches. Bon, tant qu'à faire, on va construire un deuxième centre technique. Hein. Il est ouf. On va faire que des maraudeurs. Voilà. What's that? Oh. J'espère que c'est du sérieux. D'accord. N'a rien vu. Des espèces de bombes zerg un peu dégueu. Annexe terminée. Ils sont toujours là, ils sont pas morts. Hein. Ils sont là depuis le début, c'est les deux premières troupes qu'on a eues. Et ils sont toujours pas décédés. Voilà. Toi, tu vas me chercher la défense et puis c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Hop, et on va produire en masse. Ouais, en masse. Toi, t'as toujours pas fini. De là, tu serais pas de refus. C'est bon. Regarde, tu t'en sors très bien. Voilà, et enfin, c'est parti. T'as chaud aux fesses. Poupée. Boum, badaboum. Poupée. Ouais, c'est du sérieux. Et voilà, on produit beaucoup plus vite là. Ah là 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 là, décidément. Avec du médic. Bon, c'est bon, voilà, maintenant. On va rassembler nos troupes. On va attendre un petit peu. On va attendre deux petites minutes histoire d'avoir une troupe plutôt satisfaisante. On va les regrouper dans cette zone là et hop, on va tout balancer dans la gueule de ces foutus ergues pour les décimer. Par contre, j'ai l'impression que le minerai est infini. Hein. C'est moi ou. J'ai l'impression. En plus, on aura l'amélioration des dégâts. Bougez-vous, j'arrive. Point de sauvegarde atteint. Quand ton cœur fait boum. Bon, je pense que ça devrait suffire là, non? Bon, on attend encore un peu. Attends encore un petit peu, écoutez. Commandant, je détecte des perturbations sismiques en direction de votre position. Oh. Il doit s'agir d'une sorte de tunnelier zerg. Merveilleux. C'est bien leur style, ce genre de rebondissement. Tunnelier zerg. D'accord. Tunnelier zerg. Ah, attendez, on va construire un dépôt de ravitaillement. On va le foutre là en plein milieu, rien que pour faire chier tout le monde. Amélioration terminée. Pour faire chier tout le monde, bien sûr. On est là pour ça. Bon, allez, on va regrouper nos mecs là-bas. Et on va partir à l'assaut. On va tout simplement les éclater puisque j'ai la capacité Steampack qui, je le rappelle, augmente la vitesse d'attaque et de déplacement de mes Marines tout en leur enlevant 10 points de vie. Ils deviennent pétés. Oh, terminé, mais c'est la nuit. Un autre convoi sera bientôt prêt à partir. C'est la nuit. Ah, mes mercenaires sont arrivés. On va faire ça comme dans les livres. Ouais. Hey, qu'est-ce qui se passe? On va construire un deuxième. Tu peux pas construire ici. Et voilà. Ok, c'est parti. Allons leur péter le zbob. Bah alors là, on va tout simplement les déchirer puisque... Pourquoi il y a un V? Alors bougez-vous, j'arrive. C'est parti, Steampack, et on... Bon, nos flammeurs ont pris cher, mais ça c'est pas, c'est qu'un détail. On détruit les... Ah, attendez, il y a... On détruit les... hop, les bases. Attendez, on va d'abord détruire ça. On détruit les... je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que la route est sûre un peu plus loin? Bah, mais on va oui. Pas tarder à le savoir. Mais oui, Michel, la route est sûre. On détruit la base. J'espère que c'est du sérieux. On détruit tous les gens qui sont sur notre chemin.
Ils ont fait des rouges en plus. Eh mais ils sont coriaces hein. Je me demande ce que ça aurait donné en difficile. On détruit bien tous leurs bâtiments hein. Nous on fait pas les choses à moitié. Voilà. Oups. Oui par contre ils sont partis. On va faire ça comme dans les livres. Merde. Rattrapez-les plus vite que ça. Holy shit. Les Zerg attaquent le convoi. Nope, je veux pas. Oh, je suis con. Les amis, c'est entièrement de ma faute. On va devoir attendre encore un peu. Bon, écoutez, pourquoi pas. Nous, on aime bien. De toute façon, on les pète. Ah, j'ai fait le con là. Ah, j'ai fait le con. Les Zerg ont réussi à passer. Abattez-les. Mais non, t'inquiète. Oh là là, c'est que des Zerg, hein. Des stress, Michel. Ça va pas te tuer. Non, je deck. Ah, mais d'accord. Ah ouais, si, par contre, ils continuent, ces idiots. Mais ils sont cons. Mais le ils sont... est en danger. Putain. Ah ouais, d'accord, mais en fait, ces idiots... Ok, d'accord. Ces idiots, ils continuent à pied. Eh, hey, eux, ils résistent toujours. Bon, on va défoncer les Zerglings. Suivez-les. Eux, ils sont là, toujours. Ah, il y en a un qui nous a quitté, malheureusement. Oh. Ah bah c'est bon. On a réussi à tuer le type. Mais malheureusement, je crois que ça va pas suffire. Toujours des Zerglings. Et il est toujours là, notre flammeur. Il est toujours là, le fifou. Il est toujours là. Voilà. Hop, on ramène des troupes de soutien. On a complètement détruit la base. On s'est invité chez eux, c'était drôle. On a bien tout détruit. En avant, décollez tout de suite. Voilà, fini, enfin. Ah, mais c'est pas trop tôt. C'était pas comme ça il y a 2 secondes, c'est plutôt moi qui étais en train de leur défoncer leur base. Mais bon, c'est pas grave, on a rien vu. Ils ont décidé de faire un changement dans le scénario. C'est ça qui est assez marrant. Ok, bon bah, on a eu un au fait, que j'ai déjà eu bien sûr, puisque j'avais déjà fait la mission. Ok. Réussir l'évacuation en mode normal sans perdre de camion de transport. Oh, je suis dégoûté. Alors là, franchement, je suis dégoûté. Si j'avais fait seulement attention, j'aurais eu un deuxième au fait. Alors là, c'est entièrement de ma faute, j'aurais eu le deuxième au fait. C'est pas grave, bon, bah je pourrais le faire en mission difficile, en mode difficile, plus tard, tout seul, je le referai. Enfin, bref, voilà, cette mission est enfin terminée. Ok, passerelle de l'Hyperion. Petite cinématique. Oh, effet de style. Beau travail, commandant. Le docteur Hanson a proposé de rester avec nous pour le moment, et je pense que ses talents nous seront très utiles. J'ai du mal à croire que je suis arrivée ici. Ça fait plaisir de vous avoir, Doc. Comment vous comptez nous aider ? Eh bien, vous avez des installations médicales moyenâgeuses et une expertise scientifique inexistante. Sympa ! Je peux peut-être commencer par là ? Ah oui ? Ouais. Bien. Je suppose que vous pourrez apprendre un truc ou deux à Stepman. Bienvenue à bord, Doc. Bienvenue, chérie. Excusez-moi, j'écris un SMS. J'avais pas vu. Donc, oh, Betoche, il est là. Il est à côté de la lanceuse. Ah, je le savais. Ah, le bugredin. Donc, nouveau mercenaire. Ok, bon, on verra ça dans le prochain épisode. Celui-ci étant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Laissez un commentaire et un petit j'aime. Et bien sûr, abonnez-vous pour voir la suite de cette aventure complètement épique. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, portez-vous bien.